Eh bien, yo tout le monde, c'est Bicef et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Epic 7. Alors aujourd'hui, je voulais faire un showcase sur ML Sermia parce que beaucoup d'entre vous sont à se demander si le personnage vaut le coup, s'il est intéressant dans la méta, est-ce qu'il peut fonctionner. On va voir un petit peu tout ça, on va voir dans quel contenu elle peut être jouée aussi. On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors, donc ML Sermia, je l'ai eu en 50 poules, donc bon, j'ai été assez chanceux. Donc, j'ai décidé de partir sur un stuff speed crit. Alors, il faut savoir que son stuff n'est pas terminé. Je compte changer l'anneau et les bottes parce que j'en suis pas super fier. Mais il faut savoir que je peux encore gratter des stats et des dégâts. Donc, voilà. Qu'est-ce que fait ML Sermia? Donc déjà en fait, elle a un passif qui fait que quand elle commence à 40 d'esprit combatif, et si l'ennemi inflige à un de vos alliés, c'est pas forcément à elle, une attaque supplémentaire, donc une extra attaque, une contre-attaque ou une double attaque, vous dissipez tous les malus sur le lanceur et vous gagnez buff def plus résistance d'effet. Donc vous passez à... donc là moi j'ai 54 de R parce qu'il faut savoir que le perso a 30 en innate. Je passe à 104 de R, donc je risque de ne pas... je risque pas de me faire... Enfin, je risque pas de me faire debuff par un DPS ou un perso qui a pas défi. Donc ça c'est plutôt cool. Et le buff def tout simplement parce que elle scale avec la défense. Ses dégâts scale avec la défense, donc comme dit Libet, qui va bientôt d'ailleurs recevoir son buff dans 2 semaines. Donc ça va être cool à jouer les deux ensemble. Et donc en gros, la mienne a 2300 def. Je pense que quand j'aurai fini son stuff, elle aura autour des 2500. Parce que mon anneau et mes bottes sont vraiment pas ouf. Sont vraiment pas ouf du tout. Le reste des équipements ça me va. Mais voilà, il faut que je change ça encore. Donc je pense qu'à 2500 def, elle fera vraiment des dégâts énormes. Pas besoin d'énormément de speed en fait, simplement parce que je vais pas la jouer dans une compo cleave. Et en plus de ça, étant donné qu'on joue un perso qui est ultra tanky et qui normalement a une team qui va pouvoir jouer et la protéger, elle ne devrait pas mourir avant son tour de jeu. Donc c'est pas forcément un problème qu'elle soit lente. J'ai préféré plutôt jouer vraiment sur la défense et sur le potentiel de dégâts que peut infliger le perso. Cette speed non, quand même, parce que bon, elle a un self buff speed sur le S1, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant pour éviter qu'elle se fasse lap par DML Ilias, ce genre de choses. Donc voilà, un minimum de speed quand même. Il faut savoir aussi que le perso peut fonctionner en lifesteal. Si j'avais du gear lifesteal, je pense que je lui mettrais. Là j'essaye de farmer de la Banshee en ce moment pour essayer de refarmer du stuff counter et du stuff lifesteal. Donc potentiellement regear aussi ma Dilibet avec du stuff défense counter. Mais voilà, on va du coup parler un petit peu des artefacts qui sont disponibles pour elle. Alors il y a plusieurs choix, moi j'ai décidé de la faire à la Dracoplate parce que en fait c'est trop bien sur elle cet artefact, je trouve. Ça augmente ses dégâts et ça augmente sa tankiness, elle réduit les dégâts de coups critiques subis de 13,6% en plus 21. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt intéressant. Au niveau des artefacts que vous pouvez lui mettre, bon, il y a Perle de Samsara qui peut être intéressant, et encore, c'est pas le meilleur truc, hein, clairement. Glouton, ça sert à rien. Sépulcre, non, pas ouf. Gantelet de Strack, pourquoi pas, mais je suis pas fan. Coupe en fer, je vois pas trop l'intérêt. Point d'aile non plus. Même si l'artefact va se faire buff, bon, ça la touche pas vraiment. Il y a un portrait des sauveurs, je l'ai testé. Les dégâts sont vraiment assez insane. Mais bon, c'est plus vraiment dans l'optique de faire full damage nuke. Mais voilà, pour qu'elle soit vraiment ultra tanky, je préfère la jouer avec Plaque Draco. Ça augmente ses dégâts et en plus de ça, ça augmente sa tankiness. Donc c'est un très bon compromis sur un perso qui se veut bruiseur, mais pas trop bruiseur. Parce que vous allez voir quand même que le perso, je crois que c'est le perso qui a le plus de dégâts du jeu. No joke. À stuff équivalent avec Lendi, je pensais que c'était le perso qui faisait le plus de dégâts du jeu avec son S3 full maxé, mais je me suis rendu compte en faisant les calculs sur Epic 7 Calculator. Je vous mettrai d'ailleurs peut-être le site en description parce que c'est vraiment un site qui est super intéressant, et généralement il vous permet aussi de calculer les multiplicateurs des persos qui ne sont même pas encore sortis. Donc à partir du moment où on a les infos, généralement un patch avant qu'ils sortent, on a les infos qui sont mises à jour sur le site et vous pouvez déjà commencer à faire des tests. Donc ouais, je me suis rendu compte qu'en fait Sermia fait plus de dégâts que le S3 full maxé de Lendi. Parce que oui, son S3 est une AOE qui pénètre la défense de tous les ennemis de 50%.
Alors certes, elle a besoin de 80 d'esprit combatif pour être jouée, mais du coup ça veut dire que le truc n'a pas de cooldown. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez proc le S1, le S2 suite à une contre-attaque, un truc de par exemple de ML Ilias, un proc de Politis, une double attaque, un counter de Violette, enfin bref. Il y a 10 milliards de façons de proc son passif dans le jeu. Et ensuite, du coup, vous gagnez 50 d'esprit combatif, donc vous passez à 90. Le S3 ne demande que 80, et en plus de ça, vous gagnez un tour supplémentaire. Donc, du coup, vous pouvez faire le S1, vous gagnez 20, vous êtes à 30. Il vous suffit simplement de vous faire à nouveau taper par une contre-attaque, une dual attaque ou une extra attaque. Vous regagnez 50 et vous êtes pile poil à 80. Donc, le tour d'après, vous pouvez de nouveau cycler avec un S3. À partir du moment où vous lancez 2 S3 dans la game, je pense qu'il n'y a plus personne pour vous tanker. Je pense que le combat est déjà terminé d'ici là. S'il n'est pas déjà terminé par le premier S3 que vous mettez, les dégâts sont vraiment insane. Quand je dis insane, c'est j'ai jamais vu ça. Une AOE qui pénètre la défense de la cible de 50%, ça s'invente pas, hein. C'est vraiment insane. Donc évidemment j'ai full Mola le S3, hein. Pour moi c'est obligé. Mola le S2 c'est aussi important parce que du coup une fois que vous avez fait S3 into S1, vous pouvez reproc votre passif. Et sinon bah si vous avez pas Mola le S2, bah vous avez un temps mort où vous servez à rien. Donc c'est pas ouf. Et le S1 c'est ce qui manque en termes de Mola, mais vous voyez je suis un petit peu just. En sachant que voilà, le S1 il fait aussi très très mal, j'ai encore 25% de dégâts à aller chercher. Donc voilà, c'est cher en Mola, c'est encore un perso à plus 15. On a l'habitude avec les ML ces derniers temps, sauf peut-être ML Lilias qui a eu le droit au S1 qui ne servait strictement à rien. À part le S3 et le S2, vous avez rien à Mola sur le perso. Donc voilà, je vous propose du coup maintenant de faire des petits combats d'arène pour vous montrer un petit peu ce que ça vaut. Alors oui, bon, j'ai été rétrogradé parce qu'en ce moment je me fais agresser à mort. Tiens, d'ailleurs j'ai pas essayé de la mettre en team def, faudrait que j'essaie. Bon bref, on va du coup tester en arène. Qu'est-ce que je pourrais tester? Est-ce que ça passe? En fait le truc c'est que si Arby Gab, il y a moyen qu'il me tue toute ma team. J'ai pas forcément peur de Dilibet, AOL et Flan, mais Arby en fait c'est simple, je peux le tuer avec ML Sermia et ensuite avec l'extra turn je le tue avec le S1. Mais est-ce que ma team sera vivante d'ici là? C'est la question que je me pose. On va pas tenter, je pense qu'on va éviter de tenter. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a. Ah bah tiens voilà, un exemple parfait. Donc il y a une petite Politis là. Alors du coup ce que je vais faire, est-ce que je joue ML Céline? Est-ce qu'elle est intéressante là? Je dirais que non. On va jouer avec un croc. Et d'ailleurs aussi ce qui est intéressant c'est que quand vous avez un chevalier dans l'équipe, vous pouvez lui équiper Aureus et du coup ça augmente la défense de votre équipe de 10%. Et du coup qui dit défense augmentée dit plus de dégâts pour ML Sermia. Donc c'est tout bénef. Ouais, on va y aller comme ça. On va y aller comme ça et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors c'est pas grave si la ML IA joue avant moi. De toute façon généralement à ce stade ça se joue à la speed RNG. C'est pas grave si elle joue avant moi parce que de toute façon elle va push back tout le temps Kaoric. Mais c'est pas forcément un souci. A mon tour de me mettre le buff vigueur. D'ailleurs j'aurais mis dans la team, bon je me suis déjà fait 15% à mort. Mais bon c'est pas grave. Je me suis fait 15% là. Est-ce qu'on a besoin de pushback Politis ou de la CC? J'ai pas l'impression. Bon, ML Kaoric va pas jouer avant la Belian. Ça peut être embêtant. Ah ouais, mais le problème c'est qu'elle a l'immunité. Bon, tant pis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Autant qu'on évite de prendre trop cher maintenant. Donc on va la lock. Voilà. Bon, elle va nous provoquer, mais c'est pas forcément un souci du moment que ML Kaoric pourra cleanse avant ça. On va commencer à taper la REM. Et on va se mettre le buff def. Donc là, elle va push back tout le monde, c'est pas forcément un souci. Je vais pas prendre très cher hein, avec le buff def plus le buff vigueur, je vais rien prendre. Voilà. Donc là, c'est pas un souci. ML Kaoric va cleanse tout ça. Et là maintenant on va bientôt pouvoir voir les dégâts de ML Sermia qui vont wipe la team. On va taper
taper. On va taper Rem comme ça. On va s'assurer qu'elle meurt du S3 de Sermia. Ok, on est parti. Bon, donc là on a buff vigueur, donc 30% de def, plus buff def, 60% de def, plus Aureus, ça risque de faire très très mal. Donc let's go. Je pense que la politis dégage, la Rem je sais pas. La Rem meurt, la politis meurt, bon c'est parfait. Et on va tuer du coup la ML Ilias. Et là du coup la Belian elle nous fait plus peur. On a une team qui nous permet de stall 10 milliards de counters, donc c'est pas forcément un souci. Donc vous voyez là les dégâts étaient plutôt présents. Ok, ça tue pas à peu de choses près, c'est pas un souci. Et c'est terminé. Donc voilà, au niveau des dégâts c'était plutôt correct, hein, vous avez vu. On aurait pu push encore plus loin avec un portrait. Et il faut se dire aussi que mon stuff n'est toujours pas fini, hein. J'ai encore de la def à aller grappiller. Donc ouais, les dégâts sont vraiment plutôt cool. Ah, attendez. Une petite Feyra. Alors ça c'est intéressant parce que du coup, pour vous donner une idée, la dernière fois que j'ai affronté une Feyra, elle est morte sous escorte et buff barrière par un S3 de ML Sermia, hein, tellement elle a pris les dégâts parce que elle absorbe 30% des dégâts infligés par toute la team. Enfin infligés à sa team pour elle. Mais du coup Sermia elle inflige tellement de dégâts qu'elle la one shot limite, hein. Donc on va essayer de réitérer l'opération. Donc là du coup ce qui va se passer c'est que Feyra va jouer avant moi. Donc est-ce que ML Ilias c'est intéressant de la jouer? Parce que je pense pas que ma ML Ilias pourra la pour la outspeed. Bon, ML Kaoric va jouer après elle normalement. Ou alors Mage jouera avant. Bon, dans le doute on va la prendre. C'est pas un souci si elle arrive pas à mettre le buff vigueur sur le tour même. J'avais pas trop d'idées sur la team. Mais vous allez voir que de toute façon c'est pas forcément un souci. Ok, donc là il met tous les debuffs. Bon, on ne fera pas de S3 maintenant avec ML Ilias. On peut potentiellement faire un S2, cela dit, pour lock quelqu'un. On va... Qui c'est qu'on pourrait bloquer? Je pense que Maid a un minimum de R. On va quand même essayer parce qu'il n'y a pas vraiment de perso chiant à les bloquer là. Ok, résistance, comme on s'y attendait, c'est pas un souci. On a tenté, au moins on sait qu'elle a beaucoup de R. Donc là elle fait son S3. On va du coup, ce qu'on va faire là c'est qu'on va S2 violette pour qu'il nous counter et qu'il proc le buff de ML Sermia. Donc là hop, il va counter. On prend pas grand chose. Hop, ça proc. Donc là on va prendre un petit peu cher, de toute façon Crow va être focus par un peu... par un peu tout le monde là, sauf ML Ravi qui elle va focus soit ML Ilias soit je pense qu'elle va focus Ilias. Bon, ML Sermia elle va rien prendre, j'ai vraiment aucun stress là. On va commencer à taper un peu là, voilà, comme ça au moins on strip. Alors au niveau des dégâts, bon là j'ai pas buff vigueur, je pense qu'avec buff vigueur j'aurais pu one shot la Feyra, mais déjà là dites-vous que le shield il va disparaître, je vais la laisser avec très peu de vie je pense. Et bah écoutez, faudrait que je touche le violet pour vraiment être sûr de la one shot. Si je touche pas le violet je pense que je la tue pas. Donc on va voir, une chance sur deux de toucher. Ok, j'ai loupé sur Violette. Ah, presque, hein. Presque, presque, presque. Du coup, est-ce que c'est intéressant de la tuer maintenant? Parce que là, elle va S1. Elle va S1 qui? Elle va S1 Crow, non? Donc on va essayer de tuer. Je pense pas tuer ML Ravi vu que j'ai pas full mola le S1. On va voir les dégâts. Non, ça suffit pas. Avec escorte, ça suffit pas. Je pense que ce serait passé s'il y avait pas escorte. Pour vous dire, le S1 fait vraiment super mal, hein. C'est juste dommage que j'ai pas encore les mollas pour qu'il soit full maxé. Du coup, je pense pas tuer ML Ravi avec la double attaque, elle va se régène trop pour que ça tue. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tuer elle. Ouais, en plus avec Crow, j'aurai plus heal qu'autre chose, donc ça sert à rien. Donc là, elle peut reproc son passif à tout moment, c'est ça qu'il faut se dire. Par contre, il va falloir que... On va tuer le violet je pense avec le cheval.
Ah, j'ai pas crit, ça c'est chiant. Est-ce qu'on tue Violette? Vous savez quoi? C'est peut-être du troll, mais je vais tuer Ravi. Parce que j'ai envie qu'il counter en fait. Pour réactiver le passif de Servia. Au moins on s'en débarrasse maintenant. Il va continuer à prendre le focus lui de toute manière. On va lap tout le monde de toute façon. Donc je pense qu'on peut lock le violet histoire qu'il puisse pas faire grand chose. À part counter évidemment. On va se débarrasser d'elle. Et maintenant on va proc son counter. Alors sauf s'il dodge pas, mais bon là je peux pas faire grand chose pour ça. Ok, là il counter. Je proc mon truc. Combien de temps de reste sur Maid? Ok. Bon, je me suis fait double stun, c'est pas un souci. On va essayer de l'abaisser suffisamment pour pouvoir la tuer avec le S3. Bon, de toute façon, je récupère mon truc. Alors, le buff attaque augmente un peu les dégâts de ML Sermia, mais de très peu. Hein. Le plus gros scaling réside dans sa défense. Donc. Alors là, maintenant, si je touche, je risque de faire très très mal. Déjà, la Maid Chloé, c'est sûr, elle est morte. Enfin, elle va revive. Et je pourrais la tuer avec le S1. Ah bah en plus je touche Violette. J'ai mis 22k. Hein. Tout va bien. Alors les dégâts du S3 c'est vraiment abusé. Genre. Vous trouverez pas plus... vous trouverez pas plus pété en termes de dégâts que ce perso pour l'instant. C'est vraiment le plus gros nuker actuellement dans le jeu. Le plus gros nuker AO du moins. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors Rimuru ça fonctionne aussi. Rimuru, bah tiens, on va aller le cogner. On va rester comme ça. J'aime bien cette team. Franchement, je suis très très content de cette team. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, si on n'a pas ML Kaoric, oh, c'est compliqué. Il y a d'autres alternatives. Je vais en reparler juste après. Je vais en parler juste après cette game. Alors, donc là, ML Ilias, tiens, ça m'étonne que je joue avant elle. Bon, est-ce que... Bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va la lock, comme ça, il n'y aura pas le buff vigueur. Et du coup, on va pouvoir vraiment faire des trous damage, là. Ok, bah déjà, première due à l'attaque, c'est terminé. Alors par contre, ça m'étonne que là, elle est lap. Comment ça se fait qu'elle est lap à ML Kaoric? Bon, tu me diras, ça change pas grand chose au débat, mais c'est juste que je laisse l'ennemi jouer un tour de plus. Bon, tant pis, c'est pas grave. Lui il va aller sur Crow, de toute façon Crow il va pas mourir de ça. Il a pas vigueur. On va virer le buff death, comme ça au moins on fait full dégâts là. Donc là il proc. Alors sachez que vu que ça c'est une extra attaque, normalement ML Sermia aurait dû proc là-dessus. Hein, mais bon, elle a déjà proc sur une duale. Crow va prendre le main focus, c'est pas un souci. Ah, ça par contre c'est chiant parce que du coup j'aurais pas le buff def pour le S1. Je l'aurais juste pour. Ah bah, elle a résisté en plus. Elle doit pas avoir beaucoup d'effets. On va. Ça sert à rien de se faire le buff def. Autant commencer à baisser la Belian, comme ça on est sûr que tout meurt sur le S3. On est sûr que tout meurt sur le S3. On va virer le shield de Lilias. Il vire pas le buff def. Merci. Allez, on va enfin pouvoir y aller. Parce que c'est vrai que là, je me suis pas fait serpush 10 milliards d'années. Donc là je pense honnêtement, j'ai pas vu s'il était preuve de vaillance sur Rimuru. S'il l'est pas il meurt, s'il l'est je pense qu'il survit mais à très peu de choses près. Violette s'il se fait toucher il meurt instant. Lilia j'ai pas vu si elle était tanky. Et Belian de toute façon dans tous les cas elle meurt. On va voir maintenant les dégâts. J'ai mis sur Violette. J'ai pas fait tant de dégâts que ça. Ouais il était preuve de vaillance je crois hein. Il était preuve de vaillance et Lilia c'était bien plus tanky que ce que je pensais je crois. Ouais il est preuve de vaillance. Ah tout le monde joue preuve de vaillance Rimuru hein. Ça change pas. Alors j'aurais pu taper Violette pour qu'il me counter mais bon. Lilias allait de toute manière me proc le truc. Il n'y a pas besoin de se presser. On va tuer Lilias.
là mon Crow va mourir, c'est pas grave. Il faudrait que je récupère mes CD. Bon là la Lilias va mourir. Si je touche le violet c'est encore mieux. Je miss le violet, tant pis. Ouais elle est très tanky sa Lilias hein. Ok là je l'ai touché par contre j'ai pas crit. Ça c'est un petit peu la tristesse. Bon on va le full softlock hein, on va pas se mentir, on a de quoi temporiser 10 milliards d'années avec cette équipe. Lui mettre des break attack et tout, donc j'ai pas vraiment peur de mourir contre ce violet. Il y a bien un moment où il va mourir. Donc là on va faire double attaque. Ouais il va mourir, même si je mise là dessus je tue. Je mise pas. C'est une team qui est très stall, très contrôle et qui en même temps a énormément de dégâts en fait. C'est ça qui est insane. Ah bah je suis repassé légende, tiens. En fait pour vous dire là je suis passé légende. J'ai même pas essayé de passer légende. Je voulais juste faire des games pour m'amuser. Et je suis passé tout seul avec je suis vraiment passé en m'amusant avec cette team. Bon, j'ai la chance d'avoir une box qui me permet de m'adapter facilement contre la méta actuelle. Je sais que ça va pas être le cas de beaucoup de personnes. Mais si vous avez la chance d'avoir ce genre de box, n'hésitez pas parce que c'est super super agréable. Tiens, une Tessurine, je pensais pas en voir en légende. Bah écoutez, on va affronter cette team je pense. Et vous allez voir que d'ailleurs ça peut être un counter à Arbi parce que vu que vous avez un tour supplémentaire et que vous tuez 100% tous les Arbi de la planète avec les dégâts de ML Servia, et bah écoutez, on va faire ce combat. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors c'est un fast Arbi, je m'en doutais un petit peu. Et déjà un Arbi de toute façon on n'en croise plus trop. Qui va serre push mon ML Kaoric normalement. Ouais. Tout se passe correctement. Donc là il faut juste pas que Polity stun ma Lilias. Et on devrait être bon. Donc là elle proc son extra. Ok, personne. Ah, elle est Sirarène en fait. Ça ne me dérange pas. Par contre Sirarène en vrai ça pourrait m'embêter si elle fait son S3. Donc est-ce que ouais, de toute façon le Arbi va faire 0 dégâts, ça c'est clair. Même si Gab en vrai je m'attends pas à beaucoup de dégâts de sa part. On va du coup, ouais on va la lock. Attendez, mon ML Kaoric il en est où là? Ouais on va la lock. Ah je l'ai pas lock. Là on a rien pris. Elle va faire son truc, tant pis. Je pourrais pas avoir le buff death normalement, je pense. Ouais, regardez tous les debuffs sur Kaoric, il va complètement s'en foutre. Bon, à la limite, ce que je peux faire, c'est que je peux tapoter la REM. Et mettre le buff death sur Crow. Allez hop, on debuff tout. ML Kaoric, c'est vraiment fumé. Hein. C'est vraiment fumé. Oh là là. Bon alors on va faire un check. Arbi meurt, Rem il y a moyen qu'elle meure, Politis meurt je pense aussi, à moins que ce soit une full tanky, j'ai pas vu, encore une fois j'oublie toujours de regarder les PV des adversaires avant de faire mes tours, donc ça c'est ma punition. En plus ce qui est cool c'est que là une fois qu'on aura fait le S3 on pourra soul burn et tuer quelqu'un assurément. Donc j'espère tuer la Rem, si je la tue pas tant pis, si je la tue tant mieux. Ouais, je pense tuer là. Ouais. Et c'était une Politis tanky. Elle a survécu à 2 PV. Bon, la REM est. Ouais, bon, là. On dégage le Arbi. Et on va tuer la Politis. ML Lilias, de toute façon, ne fera strictement rien de health à elle toute seule. C'est comme Lilias RGB. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que ça suffit pour choquer cette petite team très agréable à jouer. Qui fonctionne parfaitement bien en légende, sans avoir un speed tuning très élevé. Alors certes je sais que c'est une team qui est plutôt whale parce que je joue 4 je joue 3 ML5 Nat et bon Crow qui est un RGB, mais bon voilà c'est quand même 3 ML5 Nat que pas beaucoup de personnes ont. Je vais maintenant vous parler un petit peu des teams avec lesquelles vous pouvez faire vous pouvez tourner ML Seria. Donc Crow évidemment est un excellent support pour ML Servia parce que même si elle ne proc pas, son passif, Crow va lui permettre de temporiser avec son S2 qui lui donne un buff dev du coup.
et qui en plus de ça est un chevalier, donc il va pouvoir porter Aureus et du coup augmenter la défense de tous les alliés de 10%, ce qui va augmenter du coup les dégâts et la tankiness de ML Sermia, donc c'est que du plus. Pro est un excellent support. ML Ilia c'est aussi un excellent support, comme je l'ai dit, bon c'est un ML5 mais je dois quand même en parler parce que étant donné que vous pouvez avoir le buff vigueur plus le buff dev, vous pouvez avoir un montant de défense qui est ahurissant. Et en plus de ça c'est un excellent support qui vous permet de contrôler la team, adverse, de leur mettre un break attack, ce qui fait que vous prenez strictement aucun dégât. ML Armin est aussi un très bon chevalier pour votre team. Si vous avez besoin d'un chevalier qui vous permet de tanker, c'est aussi une très bonne réponse. Elle apporte l'immunité, elle apporte l'invincibilité, elle peut vous permettre de faire beaucoup de choses, donc c'est un très bon perso aussi. À peu près tous les supports sont good sur elle. Il y avait un perso que j'avais en tête. Ah oui, Pilis. Si vous n'avez pas encore monté ce perso, montez-le de toute urgence dans la méta. Elle est incroyable. Et en plus de ça, elle a un passif qui vous permet de gagner un buff défense pour toute votre team à partir du moment où vous jouez contre des team counter. À partir d'un certain montant d'attaque reçue, vous gagnez un buff def. Et en plus de ça, parmi son éveil de compétences, elle vous permet de réduire les dégâts des contre-attaques. Donc vous avez 100% de chance de réduire les dégâts subis de 30%. Donc ça fonctionne d'autant plus avec ML Sermia. Donc Pilis et ML Sermia sont un excellent duo aussi. Donc n'hésitez pas à la monter. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre comme synergie? Je pense que j'ai tout dit. Enfin du moins en termes de perso qui me vient à l'esprit. Parce que là je pense que j'ai un peu parlé des meilleurs pour moi. Certes je pense qu'il y a d'autres persos qui vont sortir plus tard qui seront insane et qui vont pouvoir l'aider à fonctionner. Ah oui, si je vous en ai pas parlé effectivement, mais vous pouvez la jouer avec des persos comme Emilia et Lotz. Pourquoi Emilia et Lotz? Tout simplement parce qu'en gros Lotz va push. Si vous jouez contre une Politis, et bien c'est très simple. Politis va cut et va faire son S2. Sauf que Sermia du coup va proc son S2, se cleanse et du coup est prête à utiliser son S3. Donc en gros ML Lotz, donc n'importe quel type de pusher, donc ML Lotz j'ai pris ça comme exemple, mais n'importe quel type de pusher comme ML Lotz peut faire le boulot aussi. Donc du coup vous pushez votre ML Sermia, elle proc son buff défense et après vous clivez la team adverse. C'est assez récurrent, j'ai vu des compos cleave avec Flan, etc. Alors certes, il y a d'autres persos qui peuvent faire son boulot, c'est pas obligé que ce soit ML Sermia. ML Sermia pour le coup, je pense qu'elle est beaucoup plus utile dans une Team Bruiser en tant que solo DPS. Mais évidemment, il y a d'autres situations où vous pouvez la jouer en tant que cleave. C'est un perso qui est très agréable à jouer et pourquoi pas du coup la jouer en lifesteal pour pouvoir sustain un infini. J'ai pas parlé aussi de Sigurd Sight comme artefact, donc Faute Sigurd, qui est aussi un bon artefact parce que du coup ça augmente votre attaque et ça augmente, enfin ça vous permet de sustain toute votre vie à partir du moment où vous utilisez votre S3 et que vous êtes en dessous de 50% PV. Sauf que le problème de Faute Sigurd, c'est qu'il y a une stat qui est un petit peu morte sur elle, c'est l'attaque. C'est que du coup vous augmentez beaucoup votre attaque, mais sur elle c'est un petit peu nul parce que du coup vous avez. Vous scalez pas avec l'attaque, vous scalez avec la défense. Vous avez un petit scaling d'attaque, mais c'est ridicule. Donc, le mieux, c'est de la jouer en lifesteal avec un minimum de vitesse, beaucoup de défense, beaucoup de dégâts crit, un minimum de R. Parce que, bon, là, avec le buff, du coup, je me retrouve à 104. Je suis relativement safe contre la plupart des DPS. Mais voilà, ça n'empêche pas qu'il y a des persos qui peuvent ignorer le R comme Rem, ça peut être un problème. Après, dans les teams que je vous ai montrées, elles vous permettent de passer outre ces restrictions. Donc voilà, je vous ferai pas un showcase RTA parce que bon, même si j'ai quand même testé la RTA, alors bon, ça fait un moment que j'en ai pas fait. J'ai fait un petit test aujourd'hui, bon, ça s'est bien passé. Il a pas pu tuer ML Sermia avec tous les persos qu'il avait. Contre des compos cleave, ça peut très bien fonctionner. Surtout si votre ML Sermia est ultra tanky. Donc voilà. Mais RTA c'est compliqué parce que l'ennemi peut vous voir venir. Et puis il suffit juste qu'il joue c'est très situationnel de la jouer en fait. Si le mec ne run pas de team qui peuvent counter ou double attaque avec Lilias, voilà, c'est compliqué de proc son passif. Certes la méta se place plutôt bien pour elle, mais voilà, ça peut troll. Mais voilà, c'est un très bon perso. C'est un perso qui est très agréable à jouer. Donc
Pour les joueurs PVE, je ne vous conseillerais pas de la peau parce que ça va pas vous servir à grand chose. Ceux qui aiment le PVP et qui aiment bien le style de dégâts de ML Sermia, son kit qui est original, et avoir un perso scaling défense, n'hésitez pas à aller la poule. Je pense que c'est quand même relativement intéressant si vous jouez en PVP et que vous voulez vous amuser et que vous pouvez vous le permettre évidemment de l'invoquer. Mais sinon, je vous conseillerais d'attendre déjà la prochaine rotation, voir ce qui va venir après, et potentiellement d'attendre le prochain nouveau ML 5 étoiles. Il y a des rumeurs comme quoi ça pourrait être ML Viviane, ML Luna. On a eu des leaks qui ont montré un petit peu les images des persos. Donc pourquoi pas, je vous les mettrai probablement en description d'ailleurs, si ça vous intéresse. Donc voilà, j'espère que ce petit showcase du coup vous aura plu. J'ai sûrement oublié de parler de certaines choses. Je pense que je les aurais mis soit dans la vidéo en tant que petite anecdote pendant que je parlais. Mais voilà, sinon, j'espère en tout cas que ce showcase vous aura plu. Dites-moi si vous avez pull ML Sermia et si vous avez kiffé le perso, si vous l'avez build en lifestyle, etc. Qu'est-ce que vous préférez comme build dessus. Et puis écoutez, moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Epic 7. A plus tout le monde.